Recoucou, bon, je viens de vous tourner une petite vidéo là, petit ange ou petite princesse, et je vous ai dit que j'avais deux courriers à ouvrir, donc j'en profite que la caméra elle est branchée. Par contre, je me suis mis un châle parce que j'ai mon feu, mais il marche pas des masses, et je sais pas ce qu'il a, donc j'ai pas si chaud que ça. Donc, je vous disais que j'avais reçu une lettre de Fanchon, voilà. Et il y a bien une semaine, j'ai reçu une lettre de, alors de Christelle C. Voilà. Donc, je vais vous montrer parce que j'ai ouvert comme ça vite fait, mais j'ai dit, mais non, il faut que j'ouvre en vidéo. Donc voilà Christelle qui m'a envoyé. Alors, elle m'a envoyé un petit mot là que je n'ai même pas lu encore. Alors, Christelle, elle envoie la carte pour le concours, mais le concours est terminé, hein, puisque ben, j'ai envoyé le colis à Fanchon hier, justement. Et après, c'est de coco. Je vous suis sur la chaîne YouTube et je vous adore. Vous avez des mains en or. Oh, ben, c'est trop gentil, ça, si j'ai des mains en or. C'est peut-être pas la vie de tout le monde, je sais pas. Je débute en scrap et ça me plaît beaucoup. J'y trouve une certaine sérénité et ça me permet de m'évader. Oui, c'est vrai. Je souhaite le meilleur à vous et votre famille. Gros bisous. Big bisous. C'est pas gros bisous, c'est big bisous, Christelle. Voilà, petite carte. Alors, la petite perle, là, elle est partie. Je ne sais pas où elle était, mais je la remettrai. Alors. Alors, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'excuse, mais je ne sais pas. Beautiful. Je ne suis pas douée pour. Alors, une belle petite carte comme ça. Alors, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui est écrit là? Parce que il y a un petit mot, apparemment. Non? Ah, si. Ah ben voilà, je sais qu'il est trop tard pour le concours. Ben voilà, oui. Et ma carte était prête, alors c'est avec plaisir que je l'envoie. Ben, ça me fait super plaisir. Voilà. Alors ici, j'ai un petit coin comme ça qui tient la carte. C'est super bien ça. Voilà. Et petite poule avec la barrière et tout. C'est super mignon. Avec des petits moutons, des petits lapins. Super. Alors ben merci Christelle. Hein. Je vais remettre tout ça à l'intérieur. Hop. Hop. Le petit coin. Je remets. La petite perle, je vais la recoller. Elle est tombée, mais je vais la recoller après. Voilà. Donc. Ça, c'était le courrier de Christelle qui était un peu en retard pour le concours. Mais je l'ai reçu, je crois que c'est en début de semaine. Et on est vendredi. Là, j'ai reçu aussi un courrier de Fanchon. Alors, je m'y attendais pas du tout. Alors, on va regarder ce que Fanchon m'envoie. On y va. Oula, apparemment, c'est des découpes. Alors, est-ce qu'il y a une petite lettre? Une petite carte? Oui. Petite carte avec un petit bonhomme de neige. Voilà. Alors, oh là là. Oh, tu m'en as créé un paquet. Voici quelques découpes diverses. J'espère que tu pourras faire des créas avec. Ben, j'espère aussi. Je vais faire que je réfléchisse. Avec pour ces beaux. Tuto de cet été avec Corinne, vous vous êtes bien occupées. Oui, ça c'est vrai. Toutes les deux, et cela nous donne des bonnes idées. Merci. Continue à nous faire de belles choses, Mamie Cole. Tu sais, ta pochette me sert bien dans ma voiture pour les masques. Ah, bah c'est super ça. Ah, c'est vrai que je t'avais fait des masques et des pochettes. Ben si, c'est vrai, oui. Marie-Françoise. Un modèle de carte de Scrapbook. Scrapbook.
Ah d'accord. Ben, je regarde pas trop les vidéos. Je regarde des vidéos, mais je regarde pas tout. Je peux pas regarder tout. Hein. C'est pas possible. Parce que sinon, je ne ferais plus rien. Si je regardais les vidéos de tout le monde. Oula. Donc, on va passer aux petites découpes. Alors ça, c'est super joli. Je crois que tu en avais envoyé à Corinne. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Et je trouve ça super joli. Maintenant, il faut trouver l'idée de faire avec. Des petits portails comme ça, c'est super joli, je trouve. Alors, il faut que j'y aille do doucement, parce que moi, je suis assez brute. Je suis assez brute quand je défais mes petites choses. Alors, on va y aller doucement, parce que c'est pris dedans. Alors, vous avez le portail. Alors, je ne sais pas si vous avez. Je suis éternelle. Oh, excusez-moi. Et il y a le petit tour. Alors, il faut que je trouve. Hein. Il va falloir que je trouve. Hop. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je ne sais pas, je suis un. Depuis ce matin, j'arrête pas de d'éternuer et d'avoir mon petit nez qui coule là. J'espère que je n'ai pas rattrapé quelque chose parce que j'en sors. Donc. Alors, je l'ai en rose. Voilà, en rose. Et je l'ai en jaune. Ça, c'est super joli. Maintenant, il faut trouver l'idée de ce qu'on peut faire avec. Mais on va chercher. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez parce que là, j'ai rien de blanc pour mettre en dessous. Oh, peut-être ça. Non, peut-être. Ouais, peut-être qu'on voit mieux comme ça. Attendez. Bon, j'abîme. Vous connaissez Brutus? Brutus, c'est moi. Voilà. Ouais, vous voyez mieux comme ça en jaune. C'est pas marrant d'avoir d'éternuer comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai. En rose. Et en bleu. Elles sont super jolies ces découpes. Tu as dû bien t'amuser. Donc je vais les ranger après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment je vais faire ça? Je vais toutes les mettre sur la table. Voilà, je vais mettre ça après dans une petite boîte que j'ai avec déjà des découpes que je me sers rarement, mais qu'il faut que j'arrive à trouver des idées. Alors, il y a une petite chose comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre le papier là et là. Des petites fleurs. Des petites fleurs comme ça. T'as dû bien t'amuser parce que j'ai vu que tu en avais envoyé à Coco et je crois aussi que tu en as envoyé à Kat un petit tag avec des fleurs et rose derrière, un petit tag en rouge brillant là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais y aller doucement parce que une petite fée. Alors, je vais vous en mettre plusieurs. Alors, blanc sur blanc, ça va pas aller. Donc, une petite fleur blanche, un petit coin comme ça. Alors, j'ai une petite étoile. Est-ce que vous voyez? Comme ça. Donc, ces deux-là. Ensuite, un petit feuillage. Alors là, c'est une tortue. Alors, la petite tortue. Le feuillage. Voilà. Un petit gâteau d'anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir blanc sur blanc. Un petit gâteau d'anniversaire. Encore une petite fleur rose. Alors là, on peut mettre un petit sentiment là-dessus, je pense. Oui. Un petit tag rouge. Un petit verre. Alors, c'est pour aller avec le gâteau anniversaire, ça.
petit verre, une flûte à champagne. Ben, j'en ai plusieurs, des flûtes à champagne. Hein. J'ai tout ça en flûte à champagne. Alors, attendez. Hop. Des petites flûtes à champagne comme ça. Voilà. Alors, une belle petite fleur blanche. Je pourrais vous montrer peut-être sur du foncé, ça irait peut-être mieux. Voilà, comme ça. Alors là, c'est des petits amoureux, des fiançailles. Voilà. Encore une flûte à champagne. Une petite lune. Des petites fleurs. Alors, alors là, il y a un petit tag avec. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tu me diras, je ne sais pas. Voilà. Encore une petite fleur. Des flûtes à champagne. Des petites étoiles. Un petit cœur. Un petit comme ça. Une petite étoile. Une petite fleur noire. Je ne vous montre pas tout en détail quand même. Hein. Alors là, c'est écrit quoi ? Maman. Une petite fleur noire, un petit cœur, un petit fanion, un petit cœur et une petite flûte rouge. Voilà, ça c'était le deuxième paquet. Dis donc, tu vas avoir les bras, comme Coco disait, tu vas avoir des gros bras. Hein. Ça y a été les découpes, parce que tu en as envoyé à plusieurs personnes, j'ai vu. Parce que je commande pas tes vidéos, mais je regarde quand même de temps en temps. Je regarde pas tout, hein. Je suis franche, je ne regarde pas tout. Alors, troisième petit paquet, je vois qu'il y a encore une petite flûte là, hop. Alors, il y a des petits tags comme ça, des petits tags comme ça, un petit nœud sur un fond, une petite bordure, des petits tags, plein de petites choses. Des petites feuilles, ça, des petites feuilles, on en a toujours besoin quand on fait des décos. Bon, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Un petit bambi, enfin un petit fan plutôt. Enfin, un bambi, un fan. Les petits rennes du Père Noël. Un petit tag rouge. Un petit tag vert, une petite flûte à champagne, un petit pour mettre les sentiments. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Encore des petites feuilles. Voilà. Bah, dis donc, t'en as fait un paquet. Hein. Encore une petite flûte. Des petites flûtes. Là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Attends, parce que ça a tourné. Bonne année. Petite chose comme ça. Petit tag comme ça. Un grand tag comme ça. Et encore une petite fleur comme ça. Eh bien, écoute, tu m'as gâté en découpe. Parce que, franchement, il y a le paquet là. Hein. Ça y a été, hein, la moulinette, ça y a été. Donc, Fanchon et Christelle, je vous remercie toutes les deux de m'avoir envoyé du courrier. Et encore une petite étoile, là, je vois. Hop. Et, écoutez, je vous dis merci à toutes les deux. Merci Fanchon pour toutes les découpes. Merci Christelle pour ta petite lettre. Désolée, tu n'as pas participé au concours. Et je vous dis bon week-end. Merci, bisous.